les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tebro, sadadabro, likete tebro, santa kadada, likarama suralani, liramama solebro, chante, lide de dedo, santa kebro. La ramasuta de côté la douche à la ramasse à la rima ma mama comme la lava de soleil. Vino de l'eau, rama ou chavalet. L'été de mon signe est à la lente la masse. L'incata ma route de rama ou tara. Ricata de la maroche. Rime de moche. Théotokos. L'église orthodoxe des rites orientaux du français d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Bepsel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la tournée internationale Théotokos avec Abba Jabakomari. Thème: mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Europe Paris, du 24 au 30 janvier 2020. Espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93-130. Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny. En bus, ligne 145 au départ des stations Église de Pantin et Raymond Queneau à Pantin, ligne 5 du métro. Ligne 105 au départ de la Porte des Lilas et de la ligne 11 du métro à la station Mairie des Lilas et du pavillon Sous-Bois. Ligne 301 au départ de la station Pablo Picasso à Bobigny, ligne de métro 5 et ligne T1 et de la gare RER de Val-de-Fontenay, RERA. Ligne 322 au départ de la mairie de Montreuil, ligne 9 du métro et de la station Pablo Picasso à Bobigny, ligne 5 du métro, ligne T1. Ligne 343 au départ de la gare RER La Courneuve Aubervilliers, ligne B et de la gare RER Rosny-sous-Bois, ligne E. Prédicateur Abba Achia Pakomari, invités spéciaux Monseigneur Charles Marie et le chanteur Ismaël René Achia. Au programme, retraite des cas difficiles, du 24 au 26, consultation prophétique, du 27 au 29, exorcisme des familles, du 30 au 31. Infoline 01 31 5106 02 11 9707. Théotokos. L'église orthodoxe des rites orientaux du français d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Bepsel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la tournée internationale Théotokos avec Abba Jabakomari.
thème. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Europe Paris, du 24 au 31 janvier 2020. Espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130. Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny. Pour les inscriptions à la retraite du désert, retraite des cars urgents, dans le cadre du Théotocoste Tour, vos inscriptions doivent se faire auprès de Maître JP Marie-Josiane au plus 337 58 05 69 06. Madame Amon Josiane au plus 337 52 40 70 74. Kania au plus 337 51 59 80 60. À partir de ce lundi 20 janvier 2020, à la résidence Résidôme Carrière, la France 2, avenue Eiffel, 78 420, Carrière-sur-Seine, de 9h à 21h. La retraite aura lieu du vendredi 24 janvier au dimanche 26 janvier 2020. Pour le vendredi, de 17h à 20h. Le samedi, de 9h à 20h. Et le dimanche, de 9h à 17h. Prédicateur Abba Achia Pakomari, invités spéciaux, Monseigneur Charles-Marie et le chanteur Ismaël René Achia. Au programme, retraite des cas difficiles, du 24 au 26, consultation prophétique, du 27 au 29, exorcisme des familles, du 30 au 31. Alléluia, guerrier ou pas guerrier, guerrier, c'est notre maîtrise de la nuit qui nous donnera toujours, en ce début de mois, de posséder l'année. N'oublie pas, nous sommes en janvier et Dieu nous a révélé que janvier est la porte de l'année. Celui qui possède la porte d'une maison possède la maison. Nous sommes en train d'aller allègrement vers le Théotocoste tout encore. Ce soir, nous allons prier pour vous afin que rien ne puisse vous empêcher de venir à cette retraite à Paris. Maman Marie, mon cas est urgent parce que le Seigneur a décidé, le Seigneur a prévu que le changement notable, l'accélération tonitruante, la vitesse qui doit se faire dans toutes tes activités dans ta vie doit avoir comme rampe de lancement. C'est Théotocoste Tour. N'oublie pas vendredi 24 au dimanche 26 et après les consultations prophétiques personnalisées et les exercices de famille. Pour leur remercier encore le Seigneur, je vous l'ai dit, je ne cesserai de le dire, tout guerrier de prière commence sa prière par une action de grâce, par une gratitude, par exprimer sa reconnaissance à ce Dieu qui a veillé sur lui pendant toute la journée, qui a guidé ses pas et qui l'a gardé jusqu'à ce qu'il soit qualifié et capable en cette nuit d'ouvrir la bouche et de louer ce Dieu. Bénissons le Seigneur, disons-lui sincèrement notre reconnaissance. Merci Seigneur, nous allons dormir, nous comptons sur les ailes de tes anges pour nous protéger. Déjà dans cette action de grâce, nous avons l'assurance que tout se passera bien pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, après notre action de grâce, après avoir montré à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance, parce qu'il nous a gardé et pourvu à notre entretien en cette journée, il est bon que là où il y a des choses qui lui ont déplu dans notre comportement, dans notre attitude, nous puissions solliciter sa grâce, sa miséricorde et son pardon. Et Paul va nous aider encore en nous donnant ce test que j'ai eu coutume à vous donner. Ça fait partie des armements qu'un guerrier de prière, je l'ai dit, je ne cesse de le redire, doit avoir. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 et suivant. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 et suivant. Paul dit, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. Lève un verre d'eau, pendant que j'exorcise cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je chasse de la tristesse de cette eau toute macule, toute présence de l'ennemi. Et je bénis cette eau également au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que cette eau dans ce verre que tu tiens soit eau de purification, eau de protection, eau de bénédiction, eau qui éloigne l'ennemi de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Asperge-toi vers cette eau, laisse cette parole pénétrer en toi, invoque trois fois le sang de Jésus et prie encore avec moi. Sang de Jésus,
Sang de Jésus, sang de Jésus, répandons-nous ensemble. Mon Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Mes péchés m'oppressent et j'ai du mal à m'en séparer. Seigneur, combien de fois je suis tombé? Oui, l'ennemi m'utilise avec ma propre caution. Car il y a des péchés auxquels je sais que je m'accroche volontairement. L'orgueil, la colère, le refus de pardonner, l'adultère, la fornication, le manque de foi, les murmures, la suffisance, l'adultère, les critiques. Seigneur, ce soir, je suis abattu de ne jamais pouvoir respecter les décisions que je prends pour ne plus te blesser, pour ne plus t'offenser. Je succombe tous les jours, encore et encore. Mon Dieu, viens à mon aide, secoue-moi et sors-moi définitivement du tombeau du péché dans lequel l'ennemi veut m'enterrer. Que ces péchés ne m'empêchent pas pendant cette retraite de Paris où tu amèneras ton serviteur Abba Achia de proclamer tes bienfaits dans ma vie et de voir les signes et les miracles dans mon existence. Je te le demande, Seigneur, par le Christ, notre Maître et Sauveur. Amen, 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 amen. Guerrier de prière, quand nous avons fait une telle repentance, réconcilié avec Dieu, la repentance est le symbole, le signe de des armures réparées d'un guerrier. Imaginez-vous, lorsqu'un guerrier va en guerre, qu'il subit des attaques, les armures sont détruites, sa carapace est détruite, son âme est cassée, il a des blessures sur le corps, il faut le traiter avant de déclencher la guerre. Et c'est ce que la repentance fait. C'est pourquoi, jusqu'à ce que nous allions pour cette Autocos Tour, pendant que je bénis vous tous qui vous connectez, n'oubliez pas le soir, partagez au maximum ce direct-là. Je vais bénir, je vais tendre les mains. Je vais tellement prier longuement pour vous afin que rien ne puisse entraver votre venue à cette retraite que je vais simplement étendre la main. Et pendant que vos noms défilent, pendant que vous likez, vous mettez des pouces, que la main droite de Dieu, que la main de sa puissance se pose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui partageront dans au moins 10 groupes, moi-même, je prendrai après la prière le soin de parcourir vos requêtes de prière, de parcourir vos pétitions d'intercession, de parcourir vos réactions et de sélectionner vos noms. Et si encore vous pouvez me faire le privilège de mettre vos numéros de téléphone, je vous enregistrerai automatiquement sur WhatsApp et je vous donnerai une parole de consolation selon que l'Esprit aura décidé. En tout cas, tout, n'oubliez pas, rien ne doit t'empêcher de venir et de recevoir ton miracle. C'est pourquoi, dis avec moi comme Jésus, Satan n'a rien à moi. Et pour cela, faisons ensemble notre prière de renoncement en invoquant 3 fois le nom de Jésus et 3 fois le feu du Saint-Esprit. Prie avec moi. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, fais cette prière de renoncement avec moi. Déclare avec moi. Je renonce à Satan. Je renonce à toutes ses œuvres familiales et personnelles. Je n'ai plus rien à voir avec tout cela. Je renonce à l'idolâtrie, au maraboutage, à la sorcellerie et je renonce à toutes les pratiques occultes qui depuis 3 générations sont accomplies dans ma famille. Je renonce particulièrement à l'esprit des eaux, des forêts, des montagnes, des pierres, des masques. Je renonce à tout caractère du démon, à la colère, à l'orgueil. Je renonce à l'avortement, au vol, à l'avarice, à la cupidité. Je renonce à toute forme d'immoralité sexuelle, masturbation, pédophilie, zoophilie,
homosexualité, lesbianisme, donc, et je fais cette proclamation que je suis la plantation de l'Éternel. Dis avec moi, je suis la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Je viendrai à cette retraite. Personne, aucun esprit de famille, aucune principauté de famille, aucun autel d'adoration, aucun esprit de famille, aucune idole ne m'empêchera d'arriver à cette retraite. C'est pourquoi je sors mon âme et ma vie de ma lignée, ainsi que de l'influence de la maison paternelle et maternelle. Et je plonge tout en moi dans le précieux sang de Jésus. Contre tous les liens de famille qui voudront me retenir à la maison, en créant des problèmes financiers, en créant des blocages de maladies, en créant des disputes avec mon conjoint, en créant des problèmes dans la vie de mes enfants, je coupe ce cordon ombilical qui me relie à mon village, à ma famille maternelle comme paternelle, avec le paix de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. J'étends la main de Dieu. Tous ceux qui sont en train de liker, je prie que l'amour de l'ange vous saisisse. Une belle fille m'a envoyé un message ce matin. Et elle dit, elle a vu l'ange venir, habillé dans la soutane des exorcistes noirs orthodoxes. Et mon visage rayonnait une telle douceur. Et je lui ai dit, en lui répondant, ma fille, Dieu va transformer tout ce qui est dû dans ta vie en période de douceur. Tu entres dans un temps de miel. Tu entres dans un temps de miel. C'est pourquoi vous tous savez du miel, levez le miel. Le miel est doux à notre palais. Le miel est symbole de douceur. Levez votre miel prophétique. Ou bien, si vous avez du miel, levez le miel. Si vous n'avez pas de miel, prenez un petit morceau de sucre. Faites attention à ceux qui sont diabétiques. Vous serez guéri maintenant. Mettez ça sur votre langue pour sentir simplement le changement de goût. Dès que vous changez, dès que vous sentez le changement de goût, le fait que faire le miel ou le sucre dans vos lèvres, vous êtes qualifié à recevoir quelque chose et votre vie est calibrée sur la douceur en cette année. La parole de Dieu, c'est Moïse qui nous la donne encore. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Moïse dit ceci. Donne-lui que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Alléluia, alléluia. Je veux te donner une autre parole, tu vas te faire du bien. Une autre parole, tu vas te faire du bien. Alléluia. Psaume 8, versets 5 à 6. Écoute ça. Dieu m'a dit que tu dois être grand en cette année. Et la douceur du miel sur tes lèvres, c'est pour déclarer que peu importe ce que les couvents de la sorcellerie familiale ont arrêté, un miracle est sur le point d'arriver. C'est pourquoi je ne cesserai de dire, parce que ce n'est pas toujours qu'on peut payer un billet d'avion pour aller à Paris, et ce n'est pas évident que tu puisses avoir le billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire faire une retraite personnalisée. Nous serons donc à Paris, 24 au 26. Si tu as raté ça, tu as mangé ton totem. David dit, Psaume 8, versets 5 à 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est cette phrase que je retiens. Dieu veut te couronner de gloire et de magnificence. C'est pourquoi, quand tu entends une telle parole, je veux que partout où tu es, tu puisses te tenir debout, faire cette prière arrêtée. Faire cette prière arrêtée. Et mets la main droite sur la tête. Badigeonne ta main d'huile. Et mets cette main d'huile sur ta tête. Et n'oublie pas, déclare que Dieu t'a couronné de gloire et de magnificence. Dis trois fois, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, Jésus trois fois. Et nous rentrons en guerre, parce que la guerre fait du bruit. Et le maître nous a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume sous violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sang de Jésus, Jésus, feu du Saint-Esprit, prie avec moi. Les brasés qui étaient rebaux. Déclare ces paroles avec moi. Père, au nom de Jésus, pendant que je prépare et je me prépare pour prendre les portes de Paris ou de la ville où je suis. Oh Dieu,
pendant que je suis connecté avec Abba Achia pour ce direct, je prie, donne-moi la grâce d'assister à cette retraite. Donne-moi la grâce dans ce pays où je suis étranger de relever le nom de mon père, de ma famille et de relever le drapeau de mon pays. Oh Dieu, par le feu du Saint-Esprit, je déclare que ma tête est couronnée de gloire et de magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brasés qui étaient les beaux. C'est pourquoi prends avec moi une âme que j'aime bien et que j'ai coutume de vous proposer. Psaume 128, verset 1 à 2. Psaume 128, verset 1 à 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il jouit, il profite, il bénéficie. Il jouit alors du travail de tes mains. Et il est heureux et il prospère. Alléluia. Rien ne pourra t'empêcher de prospérer en cette année. C'est pourquoi déclare ces paroles sur ta vie avec moi. Oh Dieu, Dieu d'exaucement, je déclare que tous ces enfants qui ont quitté leur terre natale, comme moi, pour fuir la sorcellerie, comme moi, et jouir d'un travail plus reluisant, et avoir une vie bien meilleure, comme moi, soient bénis dans tous les aspects de leur vie au nom de Jésus. Déclare encore ces paroles avec moi. Dis avec moi. Oh Dieu, que la venue d'Abba Achia Pakomari à Paris. Et parce que même si je ne suis pas à Paris, je me connecte à cette prière. Je déclare maintenant que cette terre où je suis étranger, cette terre sur laquelle je vis, ce pays dans lequel je vis, m'est soumis et me donne en abondance le fruit de sa terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brassés qui étaient les beaux chakataraba. Prie encore avec moi, en invoquant trois fois le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi. Oh Dieu, je déclare cette nuit que toutes les portes de bénédiction, de prospérité, de mariage, de santé, d'enfantement, d'élévation sociale et spirituelle, s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi. Oh Dieu, je déclare qu'avec la venue d'Abba Achia Pakomari, Dieu fera par l'intercession de la Théotokos que les montagnes, les collines de difficulté ne résisteront pas à ma participation à cette retraite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Oh Dieu, tous les obstacles, les montagnes de difficultés dans ma vie s'ébranleront et exploseront à partir de ce 24 janvier pour libérer définitivement toutes les bénédictions de moi, ton enfant, et de tous ceux qui, comme moi, sont venus dans tous ces pays d'Europe ou même vivent dans un pays comme des esclaves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répète cette prière d'accomplissement immédiat avec moi. Et n'oublie pas, tu peux allumer tes bougies jaunes, vertes, pour amplifier le mouvement angélique. Tu peux allumer ton encens pour amplifier la prière des saints autour de toi. Et surtout, invoque les âmes du purgatoire pendant que nous prions. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu d'exaucement immédiat. Depuis que je suis venu à l'étranger, rien ne me sourit. Rien ne marche pour moi. Tout travail que je fais, je n'arrive pas à m'en sortir. Je passe mon temps qu'à rembourser des crédits, à payer des factures. Je suis toujours à découvert. Oh Dieu, même si je n'ai pas les moyens d'aller à cette retraite, je me connecte par la foi pour que tout ce qui s'y passera là-bas, que cela affecte ma famille. Et que tout crédit que je dois dans les banques, toutes les dettes soient annulées et que mes finances soient restaurées
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'hébragé Karaban Rabouska, je prie pour tous ceux qui ont des dettes dans les banques, tous ceux qui sont endettés, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont au Canada, tous ceux qui n'arrivent pas à sortir du goulot d'étranglement de leurs dettes, je me mets ce fardeau sur mon cœur. Je prie pour vous, réagissez vraiment à vos requêtes de prière. N'oubliez pas, j'ai dit, moi-même, je prendrai vos pétitions d'intercession, je prendrai vos requêtes de prière, je prendrai vos supplications, vos lamentations que vous m'envoyez pour me tenir devant la brèche pour vous, et je parcourirai cela sur mon portable. C'est pourquoi soyez connectés, réagissez, likez ce moment. Et bien sûr, j'aurai une part particulière, j'aurai un regard particulier également sur tous ceux qui vont partager au moins dans 10 groupes. Je sais que vous avez le souci de l'évangile. Je sais que vous, si Dieu vous bénit, vous serez reconnaissant. Vous n'oublierez pas l'œuvre de Dieu et vous allez prendre soin de vos contemporains parce que cela déjà se manifeste par votre charité à partager ces programmes-là. Prions ensemble en invoquant la Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie, dis avec moi, fais monter ta plainte, ta complainte et ta supplication. Oh Dieu, Dieu de miséricorde, depuis que je suis arrivé en Europe, aucun homme, aucune femme ne me regarde. Les années passent, les saisons se succèdent et je ne vois rien à l'horizon. Je suis découragé. Oh Yahweh, je déclare que cette retraite est le commencement de l'aboutissement de ma requête et de ma prière. Au sorti du 24 au 26, j'ai l'assurance que tu amèneras Raphaël sur la route de mon Toby ou de ma Sarah pour la rencontre avec mon élu. C'est pourquoi, oh, je déclare également qu'au sortir de cette retraite avec Abba Achia, tout homme ou toute femme qui ne se décidait pas pour mon mariage civil et religieux, c'est lui qui se précipitera pour le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brasés qui étaient les bœufs. Je priais, j'insiste, je priais. Vous tous qui avez de grosses dettes dans les banques, vous tous même qui êtes sous restriction bancaire, tendez les mains vers votre écran et je prie pour vous. Je marque vos mains et je maudis tout esprit de main percée, de main sèche. Pendant que j'étends la main de Dieu sur vous, je souffle. L'ange avait juré, celui qui a visité Abraham sur le mont Moria et qui a substitué au sacrifice d'Isaac la brebis pour le sacrifice. Que ce Dieu pourvoie à tous vos besoins. Que Yahvé Jireh pourvoie à tous vos besoins. Que l'ange de ce nom vous localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sang de Jésus 3 fois. Raphaël 3 fois. Et nous continuons notre prière. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Archange Raphaël. Archange Raphaël. Archange Raphaël. Déclare ces paroles d'exaucement avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, depuis que je suis arrivé dans ce pays, la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, je me pose la question de savoir quand est-ce que je pourrai obtenir mes papiers, oh Seigneur, quand? Quand est-ce que je serai régularisé? Mais je déclare que c'est ma saison. Et que, au sortir de cette retraite avec Abba, moi-même j'enverrai des vidéos sur WhatsApp pour témoigner de la puissance de notre Seigneur, ce Dieu qui exauce toutes les demandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bracha kataraba. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de l'exaucement. Je lève la main droite en signe d'exaucement et d'accomplissement. Et pendant que je lève cette main, je prends autorité sur le drapeau du pays d'accueil. Et je déclare que même à cette retraite, comme Abba l'a demandé,
je viendrai avec le drapeau du pays où je suis pour posséder, pour assujettir ce pays, pour commander que les clés des portes de cette nation me soient données par les anges qui contrôlent ce pays et pour commander que ce soit à moi que ces clés soient confiées pour que je puisse les utiliser pour l'avancement du règne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Pendant que vous continuez de réagir, je suis heureux de vous voir réagir, de vous voir être connecté, d'avoir partagé ce moment. Je vais m'arrêter là, mais chacun de vous ira méditer dans son cœur ce qu'il voudra que le Seigneur fasse pour lui pendant ces 3 jours de retraite. Je t'en supplie, prends crédit même bien, parce que je suis sûr, tu as déjà assisté à nos prières, tu as vu que nous pouvons convoquer l'agent miracle. Nous allons prier pour toi, avant même que tu ne sortes de la retraite, quelqu'un aura remboursé cette dette-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aurons voulu faire cette prière gratuitement. Vous avez suivi l'actualité que nous avons subie. Vous avez vu que pendant 9 mois, notre ministère était sous le feu des rampes démoniaques pour la destruction. Satan voulait se lever, mais Dieu a triomphé. Et donc, nous sommes obligés de tout reconstruire. Mais après cette retraite, n'ayez pas peur. L'année prochaine, à la même date, les conditions seront plus favorables pour beaucoup. Et même moi-même, je donnerai 50 places pour la prochaine retraite gratuite pour ceux dont nous allons étudier les cas. Pour l'heure, il s'agit de ta destinée. Ne rate pas cette retraite parce que c'est le début d'une grande manifestation, d'un grand tollé, d'un grand retentissement d'action de grâce dans toute ta région. Et même les sorciers te rendront hommage parce qu'ils reconnaîtront que ton Dieu est fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ces 3 jours de retraite, recommandation d'Abba Achia, écrivez vos noms, vos requêtes sur une feuille de papier, mettez ça dans une enveloppe et vous allez déposer ça sur l'autel. Je vais, avant chaque prière, le vendredi, samedi et même dimanche, prendre la corne d'huile et quand j'ai fini de prêcher, annoncer la parole, prendre la corne d'huile et verser l'huile sur toutes vos requêtes là devant l'autel et vous allez prier, mettre ça sous vos coussins. Vous allez voir que pendant ces 3 jours, l'ange de cette commission vous visitera. Avec ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se voit ce vendredi pour un changement drastique et ininterrompu de niveau. Théotokos, Théotokos, Théotokos. L'Église orthodoxe des rites orientaux de France et d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la tournée internationale Théotokos avec Abba Achia Bakomari. Thème: mon cas est urgent, mon cas est urgent. Europe Paris, du 24 au 31 janvier 2020. Espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130. Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny. Pour les inscriptions à la retraite du désert, retraite des quarts urgents, dans le cadre du Théotokos Tour, vos inscriptions doivent se faire auprès de Maître J.T. Marie-Josiane au plus 337 58 05 69 06. Madame Amon Josiane au plus 337 52 40 70 74. Kania au plus 337 51 59 80 60. À partir de ce lundi 20 janvier 2020, à la résidence Résidome Carrière, La Défense 2, avenue Eiffel, 78 420, Carrière-sur-Seine, de 9h à 21h. La retraite aura lieu du vendredi 24 janvier au dimanche 26 janvier 2020. Pour le vendredi, de 17h à 20h. Le samedi, de 9h à 20h. Et le dimanche, de 9h à 17h. Prédicateur Abba Achia Bakomari, invités spéciaux, Monseigneur Charles-Marie et le chantre Ismaël René Achia. Au programme, retraite des cas difficiles, du 24 au 26, consultation prophétique, du 27 au 29, exorcisme des familles, du 30 au 31. Dream.
avec des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi des rois, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tes bros, sagadabro, l'ikete tes bros, santa kadada, l'itarama soura la vie, l'inamama sole brocha, l'idé de dedo, santa kebo, la rama soura de poté la brocha, la rama soura de dedo, kede de santa, rima mama comme la rama de soura de dedo, rido robo de dedo. Let it go, let it go.